Avez-vous parfois des pulsions sucrées? Si la réponse est oui, cela peut peut-être venir d'une carence en chrome. On retrouve le chrome naturellement dans des aliments comme les champignons, les brocolis, les tomates, les fruits de mer. Donc déjà, si aujourd'hui vous mangez une alimentation essentiellement transformée, il est très possible que vous soyez en carence de chrome. Et cela peut générer des fringales. Alors comment expliquer le lien entre carence de chrome et fringales? Dans le corps, le chrome participe au transport de l'insuline jusqu'au récepteur insuline situé sur les cellules par l'intermédiaire d'une molécule qui se nomme la chromoduline. Une carence en chrome va donc faire moins bien fonctionner l'insuline et cela va générer des variations importantes de glycémie comme une hypoglycémie par exemple. Et qui dit hypoglycémie dit fringales sucrées. Au-delà des fringales, le chrome permet aussi aux personnes qui ont un diabète de type 2 de mieux réguler leur glycémie. Ainsi, une étude prouve que le chrome a réussi à faire baisser la glycémie chez des patients atteints de diabète de type 2. Dans une autre grande étude qui a été faite avec plus de 60 000 personnes, on a démontré que les personnes qui prenaient des compléments de chrome avaient 27% de risque en moins d'avoir des problèmes de diabète de type 2. Enfin, une méta-analyse a même démontré que l'on pouvait perdre un peu de poids en se complémentant en chrome. Rien de magique ici, c'est juste que le chrome va améliorer la sensibilité à l'insuline. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver le complément de chrome que je recommande avec le lien dans le premier commentaire ci-dessous. Dans tous les cas, respectez bien la posologie du complément alimentaire, c'est très important. Et tester une cure d'un mois pour démarrer, ce sera dans la plupart des cas très largement suffisant. Je publie tous les jours des conseils et des techniques pour reprendre la main sur votre santé. Pour être sûr de ne pas les louper, pensez à vous abonner.